Connectez-vous, bonsoir, bonsoir. Oh. Pourquoi c'est devenu noir? Ok. Connectez-vous, bonsoir. Je vois Evelyne qui est connectée. Karine, qui d'autre? Je ne vois pas mes messages. Connectez-vous, s'il vous plaît. Envoyez le lien, envoyez rapidement le lien à tout le monde. J'essaie d'inviter Tondo. Ok. Evelyne, envoyez le lien sur le forum. Envoyez le lien sur le forum connecté pour que les gens se connectent. Envoyez le lien à Tondo Beuve. Envoyez le lien à Tondo Beuve. Dit de mettre la musique. Envoyez le lien à Tondo, s'il vous plaît. Il est déjà là. Je pense qu'il va s'ajouter tout à l'heure. Ok, bravo. Bravo. Salut. Bonsoir, bonsoir le Salut. mari. Partagez le lien rapidement, s'il vous plaît. Partagez rapidement le lien. Le mari est déjà là. Envoyez le lien à Dr. Guy Fouet. Il était connecté là tout à l'heure. Et envoyez-lui le lien. Je n'arrive pas à le voir dans ma liste. Je ne vois pas Dr. Gifoui dans ma liste. Ok, donc envoyez le lien. Envoyez rapidement le lien à tout le monde. On va commencer. Merci.
Partagez le lien, s'il vous plaît. Partagez rapidement le lien. C'est quoi le prénom? Partagez le lien. Partagez, partagez. Et quand on veut se yammer qu'avant parler, partagez le lien. Ok. Coucou. Bon, on va. Ça va? Est-ce que tu as fait le request, docteur? Je n'ai pas vu ton request. Essaye d'envoyer le request. Puisqu'on peut être trois ou quatre. Essaye d'envoyer encore le request. Voilà, docteur qui est déjà là. Ah! Ça va? Ton docteur va nous faire d'abord sa chanson. La chanson qu'il avait faite pour Nkule Kanyamerka. On va écouter sa chanson et puis avant de commencer notre live. C'est vrai, c'était des bons moments. Oui. Partagez le lien, partagez le lien du live, s'il vous plaît. Ceux qui veulent envoyer le request, vous pouvez envoyer. Dit que ma voix produit un écho dans le live, je sais pas pourquoi ça fait l'écho, docteur. Bon, puisque moi je peux pas m'entendre, c'est vous qui m'entendez, je sais pas pourquoi ça fait l'écho. Vous m'entendez? Oui, moi je t'entends très bien.
Moi, je t'entends. J'espère que les autres aussi t'entendent. Ouais, moi, je t'entends très, très bien. Voilà. Oui. C'est le docteur Guy qui disait qu'il y a un écho dans ma voix quand je parle. Je ne sais pas. Après, c'est les ondes, hein. On ne peut rien faire. C'est ça. Technologie. C'est ça. Ben oui. L'homme a fabriqué la machine. Et la machine a fini par trahir l'homme. Mais voilà, ça c'est pas, ça. C'est dans l'ambiance. C'est tout. En tout cas. Donc, je pense qu'on va commencer. Hein. On va commencer. Les autres vont peut-être prendre le temps en marche. Oui. Donc, je ne vois pas ton request. Je ne vois pas. Bon, je vais t'envoyer peut-être l'invitation. Voilà. Ok, je vais envoyer à Dr. Guy. Ah, voilà. C'est bon. Voilà, c'est bon. Le docteur Aïs est là, le chargé de la communication. Il est là avec le mal. Toujours en place. Voilà. C'est ça. Bonsoir, bonsoir, Antoine. Bonsoir, mon frère. Comment tu vas? Bien, bien. C'est l'essentiel. Ça fait plaisir. Ouais. Je vois Dr. Guy qui est en train de tourner. Peut-être qu'il va venir après. C'est vraiment un très grand honneur de t'avoir avec nous cette année encore, comme l'an passé. L'initiative, votre initiative attire tous les écans. Merci. Moi qui aime bien mon peuple, parce que j'adore mon peuple, et l'an passé, j'ai été vraiment très très content de voir ce que vous avez réalisé pour la première fois. Chez les peuples. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Ça m'a vraiment fait plaisir. Ouais. Et je me dis que s'il plaît à Dieu, cette année, ça sera encore meilleur. Plus. Ça sera encore meilleur cette année. Yeah. On est confiant. On reste toujours optimiste. Voilà. C'est l'optimisme qui construit. Tout à fait. Donc, il faut que les gens envoient les likes, ils continuent à partager le lien. C'est trop beau. Wow. Je vois Papano Afi qui est là. Et Evelyne, Karine, Fuman. Ok. Ça te prend combien de personnes? 3 ou bien 4? En tout cas, si quelqu'un veut monter sur le live, moi je sors. Donc... Oui, il y a Dr. Guy qui est là, il y a Papa Noah aussi qui veut monter. Mais Tondo est encore occupé, donc qu'ils attendent un peu qu'ils reviennent et puis... Je descends, je reviens. Ok. Ok. Oui. Comme ça, vous allez poser vos questions. Ah, voilà. Le tour est descendu. On va attendre qu'il revienne. Bon, entre-temps, on continue à partager. On continue à partager le lien, inviter les gens. J'essaie d'envoyer quelques invitations. Je vois quelques invitations. Voilà. Le live a commencé. Zani, où on a commencé. Taguer aussi le président.
Ça arrive, Kinda. Envoyez le lien à Kinda. Le plus important, c'est que ceux qui reçoivent les liens, qu'ils fassent le partage dans sur leur page Facebook. Oui, c'est ça, il faut partager, pour que les gens partagent. Okay. J'ai envoyé pas mal d'invitations, mais je ne sais pas pourquoi le bouton de docteur qui tourne là, il n'arrive pas. Ça tourne là. Ah, enfin, il est là, enfin. Bonsoir, docteur. Bon, les deux docteurs. Tu ne sais pas lequel je salue, hein? Mais c'est toi qui Bonsoir, bonsoir, viens d'entrer. Non, bonsoir. c'est toi qui viens d'entrer. Non, c'est toi que Bonsoir. je salue. Bonsoir, docteur, ici. Bonsoir, bonsoir, docteur Guifoué. Bonsoir. Donc, on va continuer à attendre, partager. Et Les live là, Facebook là, c'est. nous sommes à combien de jours du CK là? Je n'ai 30 pas jours? regardé C'est combien? 40? n'ai pas regardé le En tout budget, cas, combien. nous on ira au CK, on ne compte plus. Dans tous les cas. Mais le CK, c'est pour nous, c'est notre CK. Ce sont les autres qui comptent. Nous, on avance seulement avec les travaux. C'est les autres qui comptent les jours du CK. Donc, faut seulement qu'on essaye de doubler maintenant les forces, parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Vraiment beaucoup. Bonsoir, Karine. Bonsoir. Partagez le lien. Il faut envoyer le lien à Mekinda. Faut continuer à partager. Comme il se fait tard du côté de l'Europe là-bas, c'est pour ça que c'est pas évident que Tondo ait les gens dans son live. Et tu sais aussi, le problème des lives de samedi, là, trop de fêtes au pays, des engagements, et je ne sais pas, c'est juste un constat. Un constat. Peut-être si on fait les lives les samedis, il faut que ce soit peut-être un peu plus tôt. Et quand il est peut-être 8 heures ici chez nous, c'est à mi-journée là-bas, bon, peut-être. Maintenant, il est tard là-bas. Oui, Il y a c'est des très gens qui sont déjà couchés. tard. Certains sont dans les jokers et tout ça là-dedans, c'est pas évident. Exactement. Bon. En dehors de ce live, bon, il y a aussi qu'il devrait nous faire une vidéo. Il peut faire une vidéo, on la booste sur Facebook, une vidéo qui sera virale. Donc, mais l'affaire, si ça va rester comme si c'était seulement entre la mère et son fils, hein. Ah, On se parle. il y a les gens qui sont connectés là, les gens. Les gens qui On se envoient parle. l'invitation là, j'essaie de. Voilà pourquoi Hein? Là. Voilà donc Karine qui me salue seulement à Facebook Live. Ah, Facebook. Tu fais comment? Moi, je prends aussi.
Il y a Papa Noah qui veut monter là, mais ça tourne seulement. Salut Christian, salut Christian. Bon, il y a Antonio aussi. Antonio veut remonter. Oui. Ok. Donc, peut-être qu'il faut que je sorte pour que... Possible. C'est plus facile. Oh, oui, je sors alors. Ok. Après, tu peux m'envoyer l'invitation. Ok. Ok. Salut, salut Christian, salut. Voilà, donc ça a pu revenir. Oui, je ne sais pas ce qui se passe là. Chaque fois que je suis là, j'ai tellement des échos. Je ne sais pas si c'est de ton côté ou c'est de notre côté. Je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée. Il y a un tondobo qui essaie de revenir et ça tourne seulement. Je ne sais pas. Moi, je t'entends très bien. Je ne sais pas comment tu m'entends. Christian est là. Bonsoir, Christian. Avec K. Bonsoir, Queen, bonsoir, mon intelligence. Bonsoir, docteur. Oui, Queen, je vais encore essayer avec mon téléphone. Hein. Je vais encore essayer avec. Ok, d'accord. Bonsoir. Papa Noah, je ne sais pas pourquoi tu n'arrives pas à rentrer dans le live parce que ça tourne seulement, ça tourne, ça tourne. Et je ne sais pas. Ok, on va repartir maintenant au point de Christian. On va essayer de prendre aussi. Qui d'autre? Ok. Donc, tu as dit qu'il faut mettre les écouteurs. Papa, non, ça ne marche pas chez toi. Je n'arrive pas à te mettre dans le live. Papa, non, je n'arrive pas. Ça tourne, après ça fait decline. Oh, même chose. Same. Bon, on tente de voir. Je n'arrive pas. Il faut que Ntondo revienne. Essayez d'envoyer encore le lien à Ntondo.
bah, ça tourne seulement et puis pourtant tout à l'heure là ça montait tranquillement. No answer, il dit pas de réponse. On va encore essayer. Oui, justement, docteur, j'accepte la demande, mais ça tourne après un moment, ça, il dit no answer. Et c'est la même chose que ça fait avec Papa Noah. Et puis, pas mal de gens. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, tout à l'heure, là, ça passait bien. Ça ne marche pas, ça laisse pas les gens entrer. No answer. One more time. Oh, no answer. Oh. Ah, docteur, toi tu as pu quand même. Pas mieux. Bon, tu m'entends? Docteur, tu m'entends? Oui, j'ai pu entrer, mais comme le. Oui, je t'entends, mais j'ai du. Il y a toujours l'écho? Oui. Mais si je pose ma question, tu vas quand même comprendre ce que je vais dire, non? Oui, si tu poses la question, je peux entendre. Et répondre. Parce qu'il faut que tu testes ton niveau par rapport au CK. Il faut que tu testes ton niveau de préparatif du CK. Parce que je n'arrive pas à voir ton logo. Donc, on va faire notre live. Alors, est-ce que tu peux nous parler du CK? Est-ce que tu m'envoies le protocole? Non. C'est une visite inopinée. C'est un questionnaire inopiné. Écoute, quoi d'interview? Alors, que penses-tu du CK, docteur Guifoué? Tu ne venais pas là. Non, je pense que le CK 2024 serait. Un très grand événement. Je pense que, fort du succès que nous avons eu l'année dernière, nous sommes en pleine préparation pour préparer le CK 2024. Les choses se mettent en place et les différentes commissions s'activent, sont vraiment pour permettre que cet événement soit vraiment le succès que nous espérons qu'il soit. Ok, merci. Et qu'est-ce que tu peux dire à toutes ces personnes qui tiennent encore le pas, qui hésitent encore? Qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil? Oui, ce que je peux donner comme conseil, c'est que les gens qui connaissent les États-Unis, décembre, c'est une belle date retenue pour ce grand événement, mais c'est aussi l'opportunité pour beaucoup de gens de se déplacer, ceux qui commencent à préparer les fêtes de Noël, dont les hôtels seront saturés.
Donc, il peut arriver que les retardataires se retrouvent dans une situation où les hôtels seront très chargés. Les compagnies américaines organisent beaucoup de fêtes de Noël, comme on les appelle ici chez nous, Christmas Party. Donc, ils réquisitionnent les hôtels et les employés réservent ces hôtels. Donc, il faut faire attention de ce côté-là parce que ces fêtes commencent toujours à la première semaine ou alors deuxième semaine du mois de décembre. Donc, nous encourageons vraiment tout le monde qui veut se déplacer du côté de Washington de procéder aux réservations de leur hôtel pour le moment. OK, merci beaucoup. Voilà, comme docteur ici aussi est déjà là, je vais lui poser aussi cette question. Docteur, est-ce que vous pouvez rappeler à ceux qui sont là le programme que nous aurons du 5 au 8 décembre 2024 à Washington? Le rappel de... des activités. Ah, OK, ça c'est, tu me prends. On a dit que c'est une interview inopinée. OK, je n'ai pas le programme avec moi. Bon, je suis passé. Okay. Bon, moi, je vais quand même brosser un peu. Je vais répondre à ma question. D'accord. Donc, je suis parti du système éducatif. C'est ça. Qui est membre du système? On récite au système où on applique. Donc, j'aimerais vraiment, avec le programme devant moi, dit ce qui va se passer, mais je peux dire que le premier jour à l'accueil, le jeudi, le 5 décembre, tu me corriges, le 5 décembre, il y aura l'accueil des participants. À l'aéroport de Dulles ou bien, il y a plusieurs aéroports. Mais l'aéroport de Dulles est l'aéroport le mieux indiqué. Et il y a des bus, en fait, l'hôtel a réservé des transports de l'aéroport au Doubletree. Le second jour, vendredi, nous passons vraiment à la phase du CETA avec le tour de ville, la visite des différents monuments de la ville de Washington. Il y en a vraiment, il y en a assez de monuments. Il y a le Capitole, il y a la Maison Blanche, il y a beaucoup de monuments, il y a même un monument dédié pour les Noirs. Bon, dans la soirée, nous avons réservé deux bus dont nous avons posté sur Facebook. Et les bus sont déjà entièrement réservés et payés. Et dans la soirée, on a une soirée culturelle avec nos artistes. Et c'est aussi l'occasion de parler de notre culture, c'est-à-dire, comme on dit, soirée culturelle, on va vraiment parler de culture. Il y a peut-être des thèmes comme la dot qui pourront être abordés pendant cette soirée culturelle. Et les invités auront l'occasion, l'opportunité de voir ces artistes live. Parmi les artistes qui ont déjà confirmé qui seront là, il y a Ntondo Be, il y a Vanister, il y a Animba. Edou Doua aussi a de fortes chances d'être là. Donc, à cette soirée culturelle, on aura notre
on aura cette communion avec nos artistes. Le lendemain, samedi, on aura une fois expo, un peu comme l'an passé. Il y a déjà une bonne quinzaine d'entrepreneurs qui ont réservé et pour se faire des affaires. C'est pas seulement une fois expo, mais c'est aussi une opportunité de se faire des sous. Si Namendo était là, elle allait peut-être dire quelque chose sur la foire expo. Et dans la soirée, nous aurons la soirée des galas. Et la soirée des galas cette année, elle sera contrairement à l'an passé où on avait une association. Cette année-ci, on a une soirée de gala où une dizaine d'associations seront présentes. Et ce sera une occasion de communion entre tous de la communauté ECAM des États-Unis et d'ailleurs. Le CECA, c'est vraiment une occasion pour ceux qui ne savent pas de raffermer les liens d'amitié. Parce que nous sommes là, moi je ne connaissais pas Guy Fouet, il ne me connaissait pas, je ne connaissais pas ma cune, ma marraine, on ne se connaissait pas, mais grâce au CECA, nous nous sommes rapprochés et ça nous a permis d'avoir un peu des liens plus étroits. Donc le CECA, c'est à cela que ça sert, c'est-à-dire que le raffermissement de nos liens entre membres d'une communauté et aussi plus tard, c'est-à-dire que toujours dans le contexte des DIA, parce que nous voulons créer pas seulement un cadre où les membres parlent de la culture. Nous voulons aussi créer un cadre où les membres parlent de l'évolution professionnelle, de l'éducation. Donc, à EDIA, vous allez retrouver quelqu'un qui est nouveau dans une profession et quelqu'un qui est senior dans la profession. Et celui qui est senior peut lui donner des astuces comment évoluer, comme on dit, to climb the ladder, monter les échelles et pouvoir atteindre un certain niveau. Donc, c'est aussi ça l'une des raisons du CECA, parce que notre communauté, comme vous le savez, est à la traîne. Notre communauté est à la traîne. Donc, il n'y a vraiment plus de temps à perdre. Nous devons vraiment nous mettre au travail afin que le travail commence. Donc, ici, moi, j'invite tout le monde à venir au CECA. Ceux qui ne peuvent pas venir, qu'ils trouvent un moyen de participer à ce CECA à travers des idées, à travers peut-être des contributions matérielles, financières. Nous en avons vraiment besoin pour la réussite de notre CECA. Chaque fois que nous faisons des publications, il y a des liens WhatsApp, il y a des numéros de téléphone. Vous pouvez nous joindre à travers nos numéros de téléphone. Vous pouvez nous joindre à travers nos pages Facebook et BIA et à travers les pages Facebook des associations qui font partie des IDIA pour nous suggérer certaines idées. À nos amis qui sont du côté de Washington DC, je sais que c'est un peu difficile pour eux de peut-être venir prendre une chambre. Nous comptons massivement sur eux pour qu'ils viennent ne serait-ce qu'à la soirée culturelle ou à la soirée de gala, qu'ils fassent venir leurs amis, parce que on dit souvent Maryland, la région de DMV,
c'est mon colon. Je ne veux pas être péjoratif quand il dit mon colon. C'est qu'on retrouve tout le monde. Il y a un Bamileke qui a un comptoir là. Il y a un Bafia qui est à côté. Donc, c'est un peu mon colon. Donc, vous qui êtes du côté de la DMV, vous pouvez inviter tout. Le CK n'est pas un événement exclusif, c'est un événement inclusif. Parce que quand vous voyez la communauté étant, la zone étant, nous vivons ensemble. C'est l'une des seules zones au Cameroun où je vois un Bassa, un Bamileke, un Aouda. C'est les seules zones. Donc, au CK, nous voulons voir des tables Bamoun, nous voulons voir des tables Bassa, nous voulons voir des tables Aroussa, nous voulons voir des tables de partout. Un peu comme à Yaoundé, on a Biémassi, on a la briqueterie, on a tout ce Donc, c'est ce que nous voulons voir au CK. Le CK doit être le reflet de la communauté, de l'air géographique. Et quand. Ok. Donc, merci. Vraiment, grand merci, docteur, mon fils. Grand merci. C'est vraiment un appel vibrant à toutes les communautés. C'est vrai que ce sont les Écans qui organisent le congrès, mais nous appelons tous nos frères et sœurs de DMV, qui est Mokolo. Comme tu as dit, c'est le grand village des Africains et du Cameroun en particulier. Donc, hier, on a eu un entretien avec Anglade, parce qu'Anglade, il est vraiment le maire de DMV. Et je lui ai envoyé les flyers aujourd'hui qu'il va commencer à distribuer à toutes les associations, à toutes les personnes, parce qu'il est vraiment connu, il connaît tout le monde, il va dans toutes les fêtes. Donc, je suis sûre quand même que nous aurons pas mal de monde de ce côté-là. Et comme docteur disait, le CK, c'est d'abord la rencontre entre frères et sœurs. C'est pour former cette grande famille-là avant tout le reste. Comme il disait, on ne se connaissait pas avant, mais depuis le CK de l'année passée, nous sommes déjà une famille, docteur Fouquier est là, lui et nous tous. Maintenant, là, si je viens aux États-Unis, je ne vais pas chercher où aller parce que je sais que j'ai une grande famille là-bas, j'ai plein de gens là-bas. Le CK crée des emplois, le CK forme des mariages, le CK fait un peu de tout. Donc, c'est vraiment un moment où on rencontre tout. Donc, les personnes qui hésitent, qui se disent que, ah, il y a quoi de bon là-bas, ils se trompent. Nous avons tout au CK. C'est la grande famille et quand. Bon, la suite de mes questions va chez Docteur Koué. Docteur, je sais que tu es un chef traditionnel. Et j'aimerais savoir, est-ce que tu as pris des démarches, est-ce que tu peux nous promettre qu'il y a certains chefs traditionnels qui seront là parce que nous avons besoin de leur présence et de leur bénédiction pour notre communauté? Oui, merci Queen pour la question. Effectivement, nous sommes en train de travailler avec beaucoup de chefs traditionnels au pays. Et le premier des chefs traditionnels camerounais est l'une des personnes qui a déjà marqué un intérêt particulier ici, Sa Majesté Onaja Baptiste, qui est le chef traditionnel de tous les chefs traditionnels du Cameroun. Et qui travaille avec nous depuis quelques mois sur ce programme. Donc, nous attendons le retour de plusieurs personnes. Nous avons contacté aussi directement un certain nombre de chefs traditionnels qui ont déjà marqué leur intérêt pour participer à cet événement. Donc, nous ne serons vraiment pas seuls. OK. D'accord. Tu as peut-être oublié de mentionner Le Majesté Sylvain Essoa, le chef tutelaire de Bachenga, qu'il a déjà confirmé, il va même arriver avant le CK. Ce que j'ai appris sera là avant le CK. Et il y a aussi le patriarche Louis Fouda. Il a confirmé, il va arriver. Donc,
Bon, on attend vraiment que tous ces patriarches arrivent et que vous allez faire votre travail de mysticisme et de magique pour que le CK soit. On compte sur vous. Vous allez contacter les ancêtres. Comme ça, ensemble, vous allez faire en sorte que le CK soit un événement. On ne peut plus planétaire. Bon, maintenant, je vais poser ma question à Docteur Aïssi. Aujourd'hui, c'est le live des docteurs. Vraiment, c'est le Cameroun qui parle aujourd'hui, le pays des docteurs. Oui. OK, Docteur Aïssi, quelles sont les stratégies tant que chargé de la communication? J'aimerais faire un shout-out. J'aimerais faire un shout-out aussi à un de mes amis ici, Félix. OK. En tout cas, bonsoir à lui. Bonsoir, bienvenue dans notre live. Bienvenue. Et donc, je dirais donc, je voulais demander à Docteur Aïssi que le temps va tellement vite que quelles sont les stratégies en tant que chargé de la communication, quelles sont les nouvelles stratégies que vous avez mises en place pour que le CK se parle davantage, qu'on essaye d'atteindre le grand max de personnes et pour que tout le monde soit informé. Même ceux qui ne viendront pas, ils pourront informer les autres qu'il y a quelque chose aux États-Unis. Ceux qui ne viendront pas aussi peuvent aussi faire un don au niveau de notre site web. Donc, quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour que la communication devienne de plus en plus efficiente? Oui, comme disait l'autre, on ne change pas. Le site qui gagne, donc on ne change vraiment pas la stratégie qui gagne. Ce qui a marché l'an passé devrait marcher cette année-ci. L'an passé, j'étais chargé de la communication, un domaine qui m'est totalement nouveau. Mais comme je suis un élément avec passion intelligent, je ne veux pas, je le dis à haute voix, donc ça ne se discute pas. Donc, j'ai embrassé un domaine dont je ne maîtrisais pas et ça a porté les fruits. Cette année encore, je n'étais pas dans la communication et celui qui était dans la communication ne faisait pas le travail. Donc, j'ai juste décidé de faire ce qu'il fallait. La communication, c'est très facile. C'est juste un problème de network. C'est-à-dire, tu as l'information, tu dois la partager. Tu ne dois pas retenir l'information. Quand je donne une information au docteur Fouet, je dis, bon, voilà, je voudrais que tu la partages. Il ramène Félix sur le live. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, quand on poste, nous sommes dans la nouvelle ère de l'information et de la communication. Il faut partager, il faut utiliser vos téléphones, appeler même, parce que parfois le partage, on se dit que c'est une information que tu as aussi vue et que tu partages. Non, parfois il faut appeler. Appelle la personne à qui tu as fait le partage, tu l'appelles, tu lui dis que j'ai fait un partage, je t'ai envoyé un truc là à WhatsApp, est-ce que tu as vu? Hein? Je voudrais qu'on se retrouve, depuis on ne s'est pas retrouvé, je voudrais qu'on se retrouve. C'est comme ça que l'an passé, j'ai eu près d'une vingtaine. Il y a Tata Nicole Lama qui est là, moi j'ai pris le téléphone, je l'ai appelé personnellement, j'ai des amis qui sont venus du Canada, hein? Je les ai appelés personnellement. Hein? Et ils ne pouvaient rien faire quand je les appelle, quand je prends mon téléphone, j'appelle, ils seront là. Donc c'est comme ça que ça se fait, la communication. Donc tu appelles, tu postes, tu réagis même. J'ai ma soeur là qui a réagi, on ne s'est jamais vu. C'est une fille d'Akona, elle est du côté de Gettysburg. Je ne sais pas si elle est dans le live, mais elle a vu une publication des billets. Elle dit, je serai là. J'ai sauté sur l'occasion. Elle et moi, nous sommes amis sur Facebook depuis que Facebook existe. Donc, parfois, on se dit bonjour comme ça. Et du coup, je lui ai dit, bon, voilà, envoie-moi ton WhatsApp inbox. Elle m'a envoyé le WhatsApp hier. Et je vais l'appeler
je vais l'appeler, je sais qu'elle viendra au CK et elle ne viendra pas seule. Parce que si elle vient seule, moi, je vais danser avec elle. Je dois aussi danser avec toutes ses amies. Donc, elle viendra au moins avec 5 ou 6 avec qui je vais danser. Donc, c'est comme ça que ça se passe. La communication, c'est d'abord le partage. Il faut suivre, il faut le follow-up. Quand tu fais un partage, ne fais pas seulement un partage, il faut faire le follow-up. Comment tu envoies un message à quelqu'un à WhatsApp? Parfois, n'ouvre pas. Hein? Rassure-toi qu'il a ouvert. Mm-hmm. Est-ce que tu as vu ce que je t'ai envoyé là? Qu'est-ce que tu en penses? Bon, certains vont te trouver une excuse, mais certains seront intéressés. C'est comme ça que ça se passe. Donc, on va utiliser toutes les plateformes de communication. On va faire venir les gens. Et parmi ceux qui sont venus, les amis qui sont venus, ce n'était pas seulement les étangs. Hein, il y a des Bamiléké qui étaient là, il y a des Bassa qui étaient là au dernier CK. C'est la vie que nous avons adoptée pour la présentation. Et je compte sur tous les membres des DIA, tous les membres des associations qui font partie des DIA pour nous aider dans la communication. Exactement. Parce que en réalité, la communication, bien que tu sois le directeur de communication, ça concerne quand même tout le monde. Hein. C'est un domaine qui concerne tout le monde. Tout le monde doit partager, tout le monde doit informer. Et c'est vrai que tout le monde doit mettre la main dans la pâte pour que les choses se passent bien. Ce qui m'amuse, c'est, je me souviens l'année passée, quand tu me parlais aussi de la communication, de chercher les gens, tu avais dit... Tu ne dois pas danser avec la même personne, toi. Non, ça c'est pas bien. Alors, tu as dit que tu danses avec la même personne, tu vois pas, c'est qu'il y a un problème. Alors, donc, quand tu reviens avec ça, ça veut dire que dans le cours d'une soirée, si on met 10 musiques, tu dois danser avec 10 personnes différentes. Donc, c'est pour le problème. Il faut qu'on aille chercher les gens. Vraiment, le message est passé. Un docteur a dit qu'il ne doit pas danser avec une même personne. Pourquoi? Aller chercher les gens pour venir au CK. En tout cas, c'est bien. On va travailler. On va essayer de mettre l'accent sur la communication. Et docteur Guy Fou est reparti. Bon, en attendant qu'il revienne, quelle était l'autre question? C'est vrai que l'autre question concernait docteur Guy. Voilà, il est là. OK. Donc, moi, je vais vous faire une confidence. Hein. Moi, j'ai rêvé du CK et il y avait vraiment beaucoup de monde. J'étais plein à craquer. Mais alors, le problème qu'il y avait dans mon rêve, c'était un problème d'organisation. Il y avait un peu de désordre. C'est comme si on était un peu étouffé. Et alors, j'aimerais savoir, parce que tu es du protocole, mes rêves se réalisent souvent. Si c'est tel que je l'ai vu, il y a beaucoup de monde comme ça là. Quelles sont les dispositions que tu penses qu'on doit commencer à prendre dès maintenant pour que l'organisation soit vraiment bien fait, qu'on n'ait pas ce désordre que j'ai eu dans mon rêve, parce qu'il y avait beaucoup de désordre. Oui, je pense, ça c'est une très bonne question. En ce qui concerne les rêves, je ne peux pas vraiment attester l'exactitude de ce qui se passe dans les rêves. Je sais que certains de ces rêves sont aussi psychologiques. Nous avons des rencontres quasi journalistes. Oui, nous avons des meetings en commission de façon journalière
Et dans ces meetings, il ressort vraiment qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, ça c'est sûr. Il peut arriver donc que dans le subconscient, on continue de vivre le chaos, n'est-ce pas, que nous vivons lorsque nous nous rencontrons. Mais c'est ce que je peux dire, c'est quoi? C'est que le programme général a déjà été établi et qui est communiqué à suffisance, principalement à tout le monde qui va participer. Donc le programme dans son statut général est déjà bien connu. Nous devrons vraiment nous atteler à mettre sur pied le programme détaillé. Et quand nous parlons du programme détaillé, c'est vraiment lorsque on dissèque la journée heure par heure, quelles sont les activités qui vont être faites. Et ce programme détaillé est quelque chose qui nécessite vraiment un travail méticuleux. Nous sommes conscients. Et les gens sont en train aussi de prendre conscience de l'importance de cette activité. Donc, je pense que oui, certainement, nous avons l'impression que nous accusons un certain retard, mais nous avons encore quelques jours où nous devons vraiment travailler dur pour que d'ici la mi-novembre, que tout soit mis sur pied. Et nous parlons vraiment du programme détaillé, hein. Nous avons fait un grand effort en envoyant des invitations à toutes les personnes qui vont participer, les personnes aux sources, les personnes importantes. Donc, de ce côté-là, je pense que le grand travail a été déjà fait. Donc, il suffit seulement maintenant de mettre la touche sur les détails. Parce que, comme on dit ici chez nous aux États-Unis, the devil is in the details. Et c'est là où il faudrait vraiment s'y atteler. Bon, nous sommes certainement à la deuxième édition. Nous l'avons fait une fois et nous avons confiance que nous allons encore répéter la même action. Peut-être cette fois, la différence, c'est que nous voulons mieux faire. Et la barre a été placée très haute et c'est cela aussi que les anxiétés que les uns et les autres éprouvent à travers les réunions justifient vraiment l'importance que les gens ont marqué à cet événement. Donc, c'est ce que je peux dire à ce niveau. Ok, merci beaucoup, docteur. Merci. Comme dit Papa Noah vient d'écrire un message là, je pense que à la fin de la journée, nous allons finir nous tous par devenir membres du protocole. Nous allons tous mettre la main dans la pâte pour que, bon, pour vous donner aussi un coup de main pour ceux qui sont en charge. Et donc, Papa Noah a posé une autre question là. Il demande, est-ce que les docteurs vont participer au concours de danse? Parce que il y a un concours de danse qui est prévu vendredi soir à la soirée culturelle. C'est vrai que ça concerne les, ça sera un concours de danse entre les différentes associations. Est-ce que les docteurs, nos docteurs, vont participer au concours de danse? Voilà, c'est Papa Noah qui a posé la question, c'est pas moi. Hein? Oui, Papa Noah peut certainement poser la question, puisque justement, il incombe à la commission de protocole de mettre ce programme sur pied. Ce que nous savons, c'est que les docteurs sont déjà engagés dans des parties de Songo. Donc, il faudrait en voir comment est-ce qu'il faut arranger et pouvoir les partager. Bon, il s'avère aussi que tous ces docteurs sont aussi chargés de leur commission. Donc, je ne sais pas si ils auront le temps pour se balader entre gérer le programme à l'intérieur de leur commission et puis aussi se départir dans les différentes activités qui pourraient nécessiter leur présence. Bon, de toutes les façons, on verra, comme on dit, c'est dans le programme qu'on va voir là où il faudrait insérer certaines de ces rubriques et les participants. Ok, d'accord, merci. Moi, je vais répondre à la question de Papa Noir. Nous, on n'a pas besoin d'échauffement ou d'entraînement. Le concours des danses, moi, je viens le jour de la soirée de Bala et je me suis d'accord. Un peu comme Mila jouait samedi en France, dimanche, il venait jouer un match international avec le Cameroun. Je ne fais pas les entraînements. Oui, ça, le docteur ici, je pense qu'il a dit quelque chose qui est très vrai, ok? Donc, en nous repose un certain nombre de talents, ok? Moi, je peux pas me vanter à suffisance. Je pense que j'ai des camarades ici, anciens camarades, anciens camarades qui peuvent témoigner que moi, ma personne, j'ai été le représentant du centre, le centre aux Jeux au Sucre pendant des années.
représentant en danse parmi toutes les activités à laquelle j'ai participé. Au Jeux de Sucre, j'ai représenté le centre en danse au Jeux de Sucre avec mon ami ici à qui je fais le shout-out, je sais qu'il n'est pas ici, Kazi Kazo. Kazi Kazo, Kazi Kazo. Kazi Kazo, c'est, nous étions les deux représentants du centre au jeu traditionnel. Au je connais Kazi Kazo. Je connais Kazi Kazo, il était aussi le clair. Bien sûr, grand danseur traditionnel. Le plus grand des ordonnées de tout le Cameroun. Kazi non, Kazo. Non, non, je veux dire que Meunier était quelqu'un de très passionné. Il n'y a pas plus des ordonnées que lui sur la terre. Kazi non, Kazo. Compris. Meunier, c'est quelqu'un qui avance sur tout le monde. Connais Meunier. Docteur, il connaît Meunier. Il est dans l'armée, non? Oui, on ne peut pas être officier supérieur dans les armées et être... C'est qu'il a changé. Quand on était au lycée, Kazi Kazo était le plus grand des ordonnés de toute la terre. Il avait l'énergie. Il avait assez d'énergie. C'est vrai. Il en avait. Ça, c'est vrai. Ça veut donc dire que dans ma liste de danseurs, j'ai déjà Dr Fouet et Dr Aïssi dans la liste des danseurs. Ça, c'est déjà connu comme ça. Merci beaucoup. Vous êtes les premiers candidats. Bon, il y aura le concours du Songo aussi. Vous allez former les hommes pour former deux camps pour jouer au Songo. Et je vous rappelle, le perdant va payer le fine. Parce que nous, le CECA de 2024, on cherche l'argent. Donc, tout peut nous donner l'argent là-bas. Là. Les perdants, vous savez qu'ils vont payer quelque chose qu'on va mettre dans la caisse. Les femmes vont faire les wash. On va jouer les wash au type de camp. Les perdants vont payer aussi le fine. Donc, c'est comme ça. La danse, c'est pareil. Les perdants, ils vont payer. Donc, arrangez-vous à être devant les meilleurs danseurs si vous ne voulez pas me donner l'argent. Les meilleurs danseurs. OK. Donc, on va continuer avec notre causerie. J'aimerais faire un shout-out ici à mon beau-frère Raphaël Nkwantsanga qui nous joue aussi ici en train de nous suivre. Merci Raphaël de nous faire l'honneur. Ok, bonsoir Raphaël, bienvenue à ce live de causerie entre membres de Cambodge et America concernant les préparatifs de notre CECA 2024. Il y a la question qui est partie. Les gens qui sont là, les papas, pardon, posez des questions. Posez des questions. Ok, mais Kindadji va. Kindadji lance le défi. Hein. Il dit qu'il est aussi un très grand danseur. Donc, ça va chauffer vendredi, là. Oui, nous avons déjà eu le président à l'épreuve. Je pense que son talent n'est pas à remettre en question ici. Bon. Voilà. Maintenant, il faudrait entrer en compétition. C'est danser à côté, c'est une chose, mais lorsqu'il faut en compétition, oui, voilà. Mais voilà. On peut déjà dire que c'est un grand danseur. Voilà. Nous l'avons vu plusieurs fois. C'est bon. Et il y a quelque chose que je voudrais rappeler aux uns et aux autres, c'est que le vendredi soir, la soirée culturelle, tout le monde devra être en préparation culturelle. On souhaite, je ne sais pas pourquoi vos écrans sont noirs, on souhaite que tout le monde soit en tenue traditionnelle. Nous allons mettre l'accent sur ça, parce que nous devons valoriser désormais notre école traditionnelle. Toutes nos tenues traditionnelles, nous allons les valoriser à cet événement. L'année passée, on était un peu mélangés, mais cette année, ça sera. Je vais exiger, je serai là. Je vais exiger. Donc, dites déjà à vos amis, vos familles, toutes les personnes qui vont venir que la tenue traditionnelle est obligatoire le vendredi. Obligatoire. Voilà. Et la question que je voulais poser à Dr Guy Fouet. Nous aurons aussi une conférence, bon, pas une conférence, hein, le président dit qu'il ne veut pas le nom là. Nous aurons le Milan Mindabot. Voilà, dans le Milan Mindabot, là, le thème que nous avons pu choisir à l'unanimité, c'est Ekambe Seyameka, renforcer l'unité et le communautarisme pour l'accès
pour l'accélération du développement du capital humain, social et économique. Je vais reprendre. Et Kambeseya Merka, deux points. Renforcer l'unité et le communautarisme pour l'accélération du développement du capital humain, social et économique. Qu'est-ce que tu penses de ce thème? C'est vrai que nous ne sommes pas encore... Mais j'aimerais quand même dire quelque chose pour que les uns et les autres qui vont se préparer, qu'ils aient quand même déjà une idée. Oui, comme tu viens de le dire, ça c'est un thème, le thème principal de notre congrès. Et certainement, il ne va pas être débattu là-dessus, comme tu viens de le dire, sur ce live. Mais je pense que la question qu'il faut se poser est celle-ci. Quel est le rôle que les Ekans et tous les autres peuples camerounais vont jouer sur le plan socioculturel pour accompagner le Cameroun pour atteindre l'émergence aux années 2035? Donc, voilà. Très souvent, il y a un programme économique qui a déjà été mis en place par le gouvernement où tous les ministres s'attellent pour pouvoir atteindre cet objectif. Et la question est de savoir qu'est-ce que les peuples camerounais et les Ekans en particulier comptent faire pour apporter aussi leur expertise, leur contribution pour que le Cameroun, avec tous ces différents peuples, puisse atteindre cette émergence en 2035. Donc, c'est ce que je peux dire sans entrer dans les détails. Ces discussions seront certainement passionnées parce que nous, les Ekans, avons un certain label et je pense que nous aurons l'opportunité de débattre là-dessus et voir vraiment qu'est-ce qu'il faut faire pour se surpasser. Quelle est la contribution qui sera la nôtre? Je pense que, de façon grosso modo, voilà les attentes que certainement les conférenciers auront et où on va certainement débattre dessus. Ok, d'accord. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que durant cette Milan-Minda Bot, il y aura les patriarches qui vont venir du pays, il y aura les présidents d'association, parce que on vous dit quand même que les présidents d'association nous parlent de EBIA. Pourquoi ils ont accepté de joindre la fédération? Qu'est-ce qu'ils attendent de la fédération et quels sont les projets à venir? Donc, on va parler de tout ça durant ce Milan Minda Bot. On ne va pas appeler ça conférence parce que conférence, c'est autre chose. OK. Donc, merci beaucoup pour ta réponse. Comme Docteur Aïssi est revenu. Bon, voilà. Docteur, l'année passée, tu as fait le post-CECA. Tu as géré le post-CECA où on était tous chez toi. Et puis, bon, du côté de DMV, on n'a pas encore quelqu'un qui s'est prononcé dans ce sens. Donc, je ne sais pas. Si tu peux nous suggérer une idée, quelque chose, ouais, le CECA, dans ce cas-là. On ne t'entend pas, donc, ton micro. Ok, je dis que c'est dommage. Bon. C'est bon. Ok. C'est dommage que jusqu'à présent qu'on n'ait pas un plan après le CECA et les uns les autres font déjà des arrangements sur leur voyage, leur billet d'avion, vraiment pour pas que ça arrive à la dernière question à organiser un post-CECA. Ces gestes doivent être volontaires. Si tu organises un poste, il faut que ce soit un geste volontaire. Bon, c'est que on n'a vraiment pas l'ancrage que nous avions à
à Houston, nous n'avons pas cet ancrage-là ici dans le DMV. C'est-à-dire qu'à Houston, c'était quand même une grosse équipe. Nous avions moi-même, parce que ce cas vraiment me tenait à cœur, il fallait que ça réussisse, c'était un défi. Donc, de l'autre côté, je ne sais pas ceux qui nous reçoivent, est-ce que le CECA, c'est vraiment un défi pour eux. Donc, je ne saurais parler pour eux, mais d'ici là, peut-être que quelqu'un peut bien se décider à nous recevoir pour faire ce cas. Ok, merci beaucoup. Docteur Foué, c'est une proposition que j'ai envie de faire pendant l'événement. Il y a les chefs traditionnels qui seront là, toi qui fais partie des chefs. Ce qui s'est passé à Houston avec Mekinda, c'était, comme je peux dire, une première étape de son intronisation. Et je souhaiterais que les chefs qui seront là, vous les chefs, parce que je sais que toi, tu es chef, il y a David Mungo, qui est, je crois qu'il est à Columbus ou bien au Minnesota, je ne sais pas trop bien. Vous, lui, c'est aussi, il est chef plein, et les autres qui viendront du pays. Et je souhaite, que lors de notre soirée culturelle, que vous les chefs, vous continuez peut-être le process d'intronisation de Mekinda. Les gens, c'est vous qui savez ce que vous faites souvent dans ce cas-là, moi je ne sais pas. Mais je pense quand même qu'on avait commencé quelque chose. Est-ce qu'on peut avoir la possibilité de continuer? Parce qu'on ne va pas attendre quand il va aller au pays, parce que je ne suis pas au pays dans 5-10 ans. Alors qu'il a des responsabilités, il est peut-être bien qu'à partir d'ici, qu'on continue ce processus pour qu'il fasse à toi véritablement son rôle et son poste de la situation. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est une bonne idée ou bien il faut fortement qu'il aille au pays pour continuer ça? Oui, merci Queen pour cette question-là. Je ne saurais répondre à cette question ici, mais ce que je peux dire, c'est que cette procédure-là obéit, cette procédure d'initiation obéit à une procédure qui, sur le plan traditionnel, est bien définie. Et il faudrait. Dans ce cas particulier, je crois que tous les chefs traditionnels qui seront présents s'accordent là-dessus. Et une fois que tout le monde s'est accordé là-dessus, je pense que c'est quelque chose qui sera certainement fait. Et nous n'avons pas usage souvent de parler de ça en direct, ou alors ce sont des procédures qui jusqu'à aujourd'hui se font loin des caméras. Donc je pense qu'il faudrait attendre les événements. Lorsque tout le monde sera réuni, on va en parler. Et puis les aînés qui seront là, qui certainement ont le magistère de cette décision-là, vont certainement décider en fonction des informations et qui seront disponibles pour tout le monde au moment où il faudrait le faire. Donc ce que je peux dire, on peut certainement, une fois qu'ils seront là, on va en discuter. Bon, ce sont des choses qui se préparent aussi longtemps à l'avance. Donc s'il y a lieu de le faire, il faudrait déjà préparer plus ou moins les gens en avance que c'est un rite que nous souhaiterons qu'il soit accompli. Bon, est-ce que le temps qui nous est imparti nous permet de le faire? Est-ce que le lieu est indiqué pour qu'il soit fait? Il y a autant de questions qu'on peut se poser et certainement, je pense qu'en conclave, la décision sera prise. Ok, d'accord. Il y a Namdoa qui est là, qui demande l'invitation. Je pense que une personne va d'abord peut-être descendre pour qu'elle puisse monter dans le live. Okay.
Je peux me libérer. Je peux me libérer. Ok, d'accord. Comme ça, je vais là pouvoir venir. Ok, je vais encore voir si. Ok, voilà, elle va monter avec nous. D'accord, docteur, c'est ça peut-être que je dirais que bon, c'est juste une proposition que je fais pour que, bon, les gens vont réfléchir et voir ce qu'il y a lieu de faire. Et c'est comme tu disais, vous allez décider, c'est vous qui êtes les porteurs d'un tome pour la tradition. Donc, c'est un peu ça. Et qu'est-ce que je voulais encore ajouter en attendant que Namdo arrive? Quel est le conseil? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens? Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil avant qu'on ne finisse le live? Quel est le conseil que vous pouvez donner aux gens par rapport à ces cas qui arrivent? Juste quelque chose pour motiver les gens, pour ceux qui hésitent encore ou qui traînent encore le pas. Oui, merci Queen. Justement, je pense qu'on va se résumer parce que tu as été plus ou moins clair pendant ce live et tous les lives qui ont précédé celui-ci. Le congrès des écans, bien qu'il concerne d'abord les écans de l'Amérique du Nord et le Mexique, mais il est ouvert à tous nos frères et sœurs de la région, les écans, n'est-ce pas, de la sous-région de l'Afrique centrale, et puis même à l'intérieur des États-Unis, tous nos frères et sœurs des différents peuples camerounais qui sont intéressés par la culture sont plus ou moins invités. Et cette invitation a aussi étendu vraiment à tout le monde en dehors des États-Unis qui se sent intéressé par ce qui se passe ici de notre côté. Mais alors, au niveau des hésitations, bon, il faut comprendre qu'il y a plusieurs challenges. Il y a plusieurs challenges. Les États-Unis, non seulement c'est un continent, mais ce n'est pas aussi la porte à côté pour beaucoup de gens. Dans les conversations que nous avons avec nos frères et sœurs en Europe, certains manifestent l'intérêt de venir. Le chemin n'est pas à côté. En Afrique, les gens veulent venir, le chemin n'est pas vraiment à côté. Donc, nous comprenons pourquoi est-ce que il y a un certain intérêt qui est porté à l'événement, mais cela ne veut pas nécessairement dire que les gens auront les moyens, le temps et la disponibilité, certes, de faire le voyage. C'est pour cela que nous encourageons ceux qui sont déjà à l'intérieur des Amériques. Aussi vrai que les Amériques sont aussi grand que ça. Et hier, j'étais dans une conversation avec une sœur où je lui montrais la carte des États-Unis où je disais nous sommes à San Francisco et je lui montrais du côté de New York à Washington DC où cet événement aura lieu et elle s'est rendue compte que c'était 5 heures de vol. J'ai dit oui, ça c'est 5 heures de vol non-stop. C'est comme si quelqu'un faisait un Yaoundé Paris pour aller à un événement de 3-4 jours. Oui, c'est un grand sacrifice que nous demandons à beaucoup de personnes de le faire. Mais j'ai dit aussi c'est unique, parce que c'est unique dans son genre. Nous demandons à ceux qui peuvent vraiment le faire, de le faire très tôt, parce que nous avons dit il y a la disponibilité des chambres, les chambres qui nous sont mises à disponibilité, le nombre tel que nous regardons dans nos statistiques à l'interne, les chambres ne font que voler. Donc, à un moment donné, certaines personnes qui manifesteraient l'intérêt pour venir chez nous peuvent se retrouver en train de payer des chambres à un prix astronomique. Donc, c'est maintenant qu'il faut le faire. OK. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Merci pour toutes ces informations. Je pense que les gens qui sont connectés, qui nous suivent, ils n'auront plus de questions à se poser. Nous avons notre site web www.ebia2024.org. Il y a toutes les informations dedans, surtout pour les gens qui veulent nous faire les dons, qui ne peuvent pas venir, parce que c'est vrai ce que docteur venait de dire. Ce n'est pas parce qu'on est aux États-Unis forcément qu'on est à côté de l'endroit où se tiendra le CK. Beaucoup de gens vont voyager, ils partiront de loin aussi pour aller au CK.
Donc, on encourage vraiment tous ceux qui ont la possibilité d'être là, de se joindre à nous. Merci beaucoup, docteur. Le kunkuma est déjà là, la souzoua, moine du babilé, l'enfant terrible de le guerrier et capitan. On va lui donner la parole. Mais après tous ces introductions, Queen, moine du babilé, tu vois que on n'a plus besoin de faire quoi que ce soit entre moi et moi. Après, tu vas ajouter l'abondance de la vie. L'abondance de la vie. Ça, ça veut dire que ça, c'est une longue chaîne, ça ne finit pas. Apparemment, ça ne fait que venir, on en demande encore. Docteur Ambolo, bonsoir, 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 bonsoir. Donc, voilà les grands kukumas qui sont devant nous là. Il y avait la Queen qui est à côté et tous ceux qui sont connectés, bonsoir à tout le monde. Merci, mais ça fait plaisir de te voir dans ce live. Tu as vu que tu nous as ramené de grosses têtes. Seule ta présence a drainé du beau monde. Voilà. Mm-hmm. Voilà. Donc je salue tous ceux qui sont connectés. Mbembalou, Mbembomos, Mbembetei. Et tout ça, là, Namodoua, que je vois quand j'ai vu là que tu dis. À la faire monter dans le live. C'est, ah, d'accord. Ça on a vu le. Tu as dit que je n'ai jamais vu le grand frère Raphaël le grand journaliste connecté. Mais aujourd'hui, il est là. Voilà Anglade qui rejoint. Voilà Anglade qui a rejoint. Le maire du Maryland, qu'il continue seulement les partages. On continue seulement les partages parce que l'ouragan est quand débarque dans le Maryland, dans le DMV, dans quelques jours. Donc, on arrive. OK. Bonsoir, la Queen. Bonsoir, tout le monde. Voilà la grande sœur Martine Balanga qui est connectée. Bonsoir, oh, bonsoir depuis Los Angeles. Aïe, aïe, aïe. Attends, je ne vois plus, elle est partie. Parce que j'avais vu comme si une tondeuse était revenue. Non, elle ne voit plus. OK. Bonsoir, Anglade, le maire de DMV. Anglade, le maire de DMV. Mon ami Anglade, mon ami et frère, bien-aimé, le maire de DMV. Bonsoir Steve, bonsoir Nicole Lama, bonsoir Marinette Zibi. Merci de joindre. Je suis allé secouer là-bas. J'ai dit qu'on sorte pour venir faire notre live, qu'on vienne parler. Docteur, les docteurs ont dit qu'il faut partager, il faut être présent. C'est ici qu'on doit commencer à démontrer notre puissance. On participe à nos lives pour montrer que nous tenons à ce que nous faisons. Nous sommes fiers de ce que nous faisons. Ça commence ici. Les premières victoires sont les victoires les plus simples. Commençons par gagner les victoires de la communication qui ne nous coûte pas un franc. Merci. Voilà, c'est ça. Bon, Président, j'ai quand même une question, comme tu es là aussi, hein, mm-hmm. Parce que tu sais souvent crier sur nous quand il le faut. Et là, je vais donc te demander, parce que la semaine passée, tu as encore crié sur nous. On t'a promis qu'on allait se mettre au travail. Comment tu trouves l'évolution des travaux? Est-ce que tu es satisfait ou bien tu vas encore crier sur nous mardi soir? C'est on dit que qui aime bien châtie bien. J'ai dit l'autre jour que c'est un message à rangueur. On harangue les troupes. Quand un chef de guerre donne les instructions, c'est toujours avec le pouvoir. Quand on voit avec le punch, quand on voit les commandants de Bekré, commandant le défilé du 20 mai, ou le commandant Roger Mulingui dirigeant le 20 mai, c'est des cris de... C'est la passion, c'est l'énergie qui transmet. Donc, les cris là ne doivent pas être mal pris, c'est la transmission de l'énergie. C'est cette énergie positive que je transmets qui doit vous électriser afin qu'on aille dehors, conquérir le dehors, qu'on aille conquérir l'espace, cet espace qui nous appartient, qui nous attend. Donc vraiment, c'est d'abord ça. Alors, je suis content de savoir que cette semaine, il y a eu des progrès énormes qui ont été effectivement constatés, qui ont été observés. Et ça a été beaucoup traité au niveau du protocole. D'ailleurs, on peut voir déjà que notre patron du protocole est là, le docteur Fouy, Sa Majesté. Il est là avec nous aujourd'hui pour confirmer. Je l'ai suivi de bout en bout tout à l'heure pour vous dire quels sont les progrès qui ont été faits au niveau du protocole. Et je pense que nous sommes déjà satisfaits. Nous sommes satisfaits des progrès. On sait que c'est une commission qui est encore en train de rassembler ses éléments, ses outils de travail. Et là, mais définitivement, je pense que
on a tous constaté que le ton a été effectivement donné de ce côté-là et le rythme est en train de prendre. Donc, au niveau du protocole, on est persuadé que cette année, les petits plats, les détails, comme il a dit, the devil is in the details. Ma maman disait toujours que la réussite des grands événements, c'est dans les petits détails. Donc, ces détails-là, et je veux dire que le cri d'alarme que tu as sonné avec ton rêve qui disait que voilà l'organisation, on est donc plus que jamais conscient de ce que nous devons mettre un accent sur ce petit détail-là, parce qu'on a beau on peut tromper, on peut mentir les gens de loin, mais ceux qui seront sur place, si jamais nous ne livrons pas un travail un service de haute facture, on sera déçus. Et ceux qui par nos invités partiront dessus. Donc, je suis content de savoir que ce qui doit être fait dans le sens de l'accommodation, de rendre tous les éléments fluides et en train d'être fait. Et voilà, ça ne peut qu'augurer un événement magnifique. Ça, on est content. Les indicateurs sont positifs en ce moment. Voilà. Ok, merci beaucoup, Président. Merci. Il y a une autre soeur, Namodoa, qui n'arrive, que je n'arrive pas. En fait, moi, mon écran ne prend que 3 personnes, ne prend pas plus de 3. Ok, je peux libérer le plancher si. Non, je ne vois pas l'expression là, docteur. Libérer le plancher, c'est quoi? Ah, Ebia, on ne parle pas comme ça. Hein. On ne parle pas comme ça, Ebia. Mm. Voilà. Tu vas juste lui céder la place. Je vais faire comme ça. Vous voyez, la grande sœur Martine Balanga dit qu'on réserve sa chambre. La grande sœur, tu sais que je t'attends au CK. Moi, je t'attends au CK. Voilà la cune qui est là. Prends déjà ta chambre. Dis à Aurel, il y a déjà là. Ton espace est déjà réservé. Quand on parlait de concours de danse tout à l'heure, je crois que c'est toi qui tu as déjà gagné le concours. Tu as déjà gagné le concours de danse. Tu as déjà gagné le concours. Voilà, il n'y a rien à faire. Ok, docteur, descends alors et puis je vais essayer de faire je reviens. Merci. Oui, parce que c'est vous qui allez conclure. On a dit que c'est le live de docteur aujourd'hui. C'est vous qui allez conclure. Ok, merci. Mm-hmm. Et on va donc voir si Nava a entré. Pourquoi elle vient nous parler de Bom? Voilà, Nava est déjà là. Ça tombe bien. Donc, bienvenue. Oui. Bonsoir. Merci. Tu as même déjà ta tenue. Tu as même déjà ta tenue au Bom. Voilà, au Bom Mbolo. Donc, parle-nous un peu de Bom Mbolo. Je ne me vois pas. Je ne me vois pas. Non, te voit. Non, te voit en tout cas. Tu n'as pas besoin de te voir. Non, te voit, ça va. Donc, je veux voir mes mimiques et mes expressions. Hey, maman, laisse, on te voit, tout est bien. C'est clair. Laisse comment? C'est bon. S'il y a quelque chose qui cloche, je vais te dire. C'est bon. Ne t'en fais pas. D'accord. Mm-hmm. Donc, je t'entends de dire que tu es notre premier invité. Tu es la première personne à te prononcer, à prendre ta chambre comme d'habitude. Voilà. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous parler de Bom? Parce que je sais que j'ai déjà informé les gens que vendredi soir, la tenue traditionnelle est obligatoire. Ceux qui n'ont pas de tenue, qui ne s'inquiètent pas, toi, tu viendras avec les tenues au CK et tu en approprié là-bas. Donc, essayons de leur parler de Bom pendant le CK. Concernant le CK. Oui, oui. Donc, le Bom, c'est notre tissu traditionnel. C'est notre tissu, c'est. Quand nos parents se sont assis comme ça, là, ils ont réfléchi dans leur cerveau il y a des milliers d'années. Ils ont créé plusieurs sortes de tissus. Le premier tissu, c'était les feuilles d'arbre, là, on se couvrait avec. Le deuxième, c'était les peaux des animaux. Le troisième, c'était donc, l'autre, c'était la paille. J'ai déjà parlé de la paille. Et l'autre, et le dernier, c'était le bon, l'écorce de l'arbre. Le Bom se porte du Cameroun jusqu'en Afrique du Sud. Du Cameroun, là, jusqu'en Afrique. Partout là où il y a la forêt, dans le monde entier, on porte le Bom. On retrouve le Bom dans les îles Fidji, on retrouve le Bom en Papouasie, on retrouve le Bom partout dans le monde, là où, même au Japon, on trouve le Bom. J'ai suivi un documentaire là-dessus. Un Japonais il fuyait la guerre, il allait se cacher dans la forêt, il a créer son habit, c'était le Bom.
Ici, quand tu vas au musée du Quai Branly, il y a l'obum là-bas affiché partout, partout, partout. Donc, tous les peuples de la terre où il y a la forêt, ils ont l'obum. Manbeti Anongul Ebilebie, tout ça, là, vous avez dit que président Mekinda Mekinda, Anmoine Babile. Donc, quand tu portes l'obum, tu portes les babilés là, tu portes ça sur ton corps. Voilà. Ça porte toute son énergie, donc ça son énergie, ça sa force, ça sa puissance. Comme tu viens de voir, docteur, tu as vu docteur porter le baume en noir avec la flèche comme ça là. Tu vois comme il était beau. J'espère que vous avez quand même d'avoir apprécié le docteur qui portait son baume noir. Voilà. Oui. Voilà. Donc moi je suis allée dans les formations suivre dans d'autres pays où on a gardé la bonne la tu dis la quintessence même de l'arbre. Oui. Comment on fait? Donc nous sommes revenus et on est en train de mettre ça sur pied au Cameroun et en dehors de ça on trouve d'autres arbres qui peuvent nous produire le bon. Donc il est donc question que Mia, président parlait avec quelqu'un dans sa voiture, vas-y. Donc c'est ça. Donc il y a ça se fait. Donc ici à Paris, qu'on a donc constaté que quand nous on arrive, comme vous avez, je pense que vous avez quand même vu les vidéos, quand les écans arrivent, parce que quand on arrive en groupe là, on porte le bon, tout le monde s'élève. Ouais. Même les autres qui sont passés avant nous là, qui nous ont colonisés là au Cameroun là, ils se taisent d'abord. Il y a les écansons là. Parce que c'est l'écorce de l'arbre qui est puissant. L'arbre est très puissant. Moi, je vous dis, les gens font trop de choses. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur Facebook. L'arbre là est puissant. Voilà, c'est ça. Donc, quand tu portes ça, tu portes la puissance, tu portes tes ancêtres, tu portes l'esprit de tes ancêtres, tu portes l'intelligence, la sagesse de tes ancêtres. Donc, vraiment, nous devons valoriser, mettre ça. Et puis, on n'est pas obligé de porter ça de manière très villageoise. Donc, nous, on a pris le temps de bien travailler sur le bon. Il est bien fin, il est bien travaillé. Les gens peuvent faire des modèles. Et là, celui que j'ai... on travaille sur le bichakarak. Donc, le pomme aura le bichakarak sur le corps. Bichakarak, c'est le langage. C'est l'écriture et quand. Vous allez voir, ça sera très beau. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur le beau. Et les femmes seront magnifiques, seront belles. Avec les beaux gars et quand qui seront là, vraiment. Célibataire, il faut pas la douleur. Voilà. En tout cas, je confirme la puissance, non seulement la puissance, mais la beauté, les ravages que le beau me fait. La Queen, comme je ne vais pas rester longtemps, je voulais quand même intervenir. Si tu as des questions, comme ça, je vais pouvoir laisser la place à quelqu'un d'autre et repartir. Maintenant, Nkoukouma est busy. Je suis très occupé. Il y a tellement de chantiers. On est à un mois et demi du CK. Il y a tellement de choses à coordonner en ce moment que je venais vraiment honorer de ma présence, ton Zoom, ton live. Et aussi, continuer à donner moi-même du ton. Le ton pour assurer tout le monde que les préparatifs sont en bon train et que on doit, en tant qu'écran, être fier de notre mouvement. On a vu les autres. Moi, je le dis toujours. Nous, on était chez les Bassa. Nous sommes allés à Atlanta, soutenir les Bassa, voir aussi, apprendre d'eux. Certains d'entre nous sont aussi allés chez les Bamileke. Ça, je le dis parce que c'est deux conventions qui ont été le plus largement, grandement promues sur les réseaux sociaux et partout. On a vu comment ça se passait et on les a admirés. Les autres ont vu les Bamileke. Ils ont vu les Bassa. On a vu leurs aînés venir. On a vu leurs chefs traditionnels venir. On a vu leurs icônes intellectuelles venir. On a vu leur autorité. C'est-à-dire qu'on a vu les personnes comme Piral Neudor qui sont venues, l'ancien directeur de Tradex, qui je sais pas si c'est sénateur aujourd'hui. On l'a vu se déplacer, venir, on a vu leurs artistes venir les soutenir. On a vu chez les Bamileke, les chefs traditionnels, on a vu les artistes musiciens, les richissimes, les grands entrepreneurs. On a admiré ça, on a apprécié. Il est temps que nous nous positionnons plus comme ceux qui apprécient les autres. Comme quoi il réalise l'inimaginable, l'impensable. Il est important que les Kankés connectés aujourd'hui qui sachent que
Avec l'expérience de l'année dernière, nous aussi, nous pouvons réaliser de très grandes choses. Ce n'est plus, on n'est plus à l'époque où on se disait qu'on ne peut pas. On a fait un coup d'essai l'année dernière, c'était un coup de maître. Cette année, si le CK sera stratosphérique, c'est-à-dire quand on quitte l'atmosphère, on va à la stratosphère, on laisse ce qui est au niveau de l'atmosphère, on va plus haut, on va à la... Je dis bien le CK, not mark my words, le CK sera stratosphérique. Celui qui rate le CK, j'ai dit celui qui a raté le CK, on ne sait pas. C'est moi, Et les gens connaissent la puissance de ma parole. Quand je dis que ce sera ça. Bon, vous le savez, voilà les gens qui viennent de France, les délégations qui viennent de France. En soi, la délégation de France aujourd'hui, je crois que le vol est déjà plein. On est en train de faire les extensions. Voilà Namodwa qui vient, qui conduit la délégation de France. Elle est venue l'année dernière, elle a vu. Veni, vidi, vici. C'est-à-dire qu'elle est venue, elle a vécu maintenant. Yes. Elle a ramené les autres. Donc, pour dire que ce n'était pas de la blague. Ceux qui sont connectés aujourd'hui, le CK sera le meilleur, 2024 sera le meilleur événement de l'année. Les autres ont fait, nous on vient embellir, on vient couronner. On vient avec la cerise sur le gâteau. On vient avec la touche qu'il n'y a pas eu partout ailleurs. Donc, s'il a manqué quelque chose ailleurs, partout où vous êtes allé cette année, venez au CK. C'est là-bas qu'on corrige tout. Exact. Donc, moi, je dis, non, mais quand. Venez. Voilà. Nous, on aime la perfection. Nous, on aime l'exemplarité. Les camps, c'est le top. C'est le sommet. C'est ce qui est classique. On aime la beauté. Donc, venez au CK. Venez voir comment on se déploie. On achète dans tout un hôtel. Il y a pas, nous on parle hôtel Hilton. On se retrouve là-bas. C'est les écarts. On est les seigneurs. C'est là-bas que nous on va. Si vous avez fait un an aux États-Unis sans avoir dormi au Hilton, si vous n'avez jamais dormi dans un Hilton au Cameroun, venez au CK, vous allez dormir au Hilton. Non, non, si vous n'avez jamais voyagé en cortège, si vous n'avez jamais visité le Capitole, c'est-à-dire que le Capitole, deuxième institution des États-Unis, venez. Vous allez voir, c'est déjà réservé. On arrive en groupe. Le Capitole sait qu'on arrive. C'est-à-dire que les démocrates, ils nous attendent là-bas, les sénateurs, Schumer et tout ça là. On va aller visiter comment ça se passe. Ce que vous voyez toujours à la télé pour la première fois, on vous offre ça. C'est les écarts. On ne va pas à pied. On va en cortège avec des bus dernière catégorie génération, accompagnés par des motards, une escorte policière. Donc vraiment, je ne sais pas. C'est une expérience que celui qui n'a pas vécu ça, celui qui ne veut pas. Vous passez, on se balade ici aux États-Unis, je le dis tous les jours. Vous sortez de votre appartement, vous n'arrivez pas à dire bonjour à quelqu'un parce que les gens ont les visages fermés. Vous allez au boulot, c'est hostile. Vous rentrez à la maison, vous êtes fatigué. Vous êtes dans la rue, c'est les cris, c'est les menaces, c'est tout ça. Vous mettez les informations, c'est stressant. On vit ça pendant 365 jours. Le CK va enlever 4 jours. Donc 361 jours de bizarrerie et vous avez 4 jours de bonheur ultra suprême qui viendront effacer tout ce que vous avez vécu pendant les 361 jours-là. Donc venez, on est ensemble. Tu sors de ta chambre, tu descends de l'hôtel, de l'avion, on te prend à l'aéroport, on t'amène à l'hôtel, tu rencontres tes frères, un de Mazona, un de Amadza, un de ça fait longtemps. C'est ça qu'on veut voir. On s'assoit, on prend le petit déjeuner ensemble, bien comme on vient dire, on prend le bus. Il y a la piscine, non? Il y a la c'est les temps. Il y a salle de sport. Au souhait, il y a au souhait, la salle de sport, au souhait, Bible au souhait, dans l'hôtel. Donc, on au village, Bible au souhait. Donc, on peut venir nager dans le souhait, on peut venir même pêcher si vous voulez venir pêcher, vous pouvez venir. Bref, anyway, c'est un bel événement. Et surtout, n'oubliez pas, nos artistes seront là. Notre Vanister National, notre Edoudou National, on est en train de pousser pour que l'événement m'a donné le visa pour venir. Il arrive, le grand frère Tondombe qui était là tout à l'heure arrive, sera là et plein d'autres artistes du Gabon, Animba et tout le reste. Donc, il y a beaucoup d'artistes qui seront là cette fois-ci pour vous prouver que l'année dernière, c'était que l'aperçu. C'était que le test. Il y a toute une délégation gabonaise qui arrive pour dire que ce n'est pas la blague. Les écarts feront ce qu'on n'a jamais vu. Et puis, le CK n'est plus national. Quand je disais tout à l'heure stratosphérique, c'est parce que nous, les écarts ne sont pas qu'au Cameroun. Donc, nous sommes internationaux. Donc, nous avons donc le Gabon qui sera représenté. Nous avons la Guinée qui sera représentée au CK. Déjà l'année dernière, donc, on avait déjà au moins 2 pays. Cette année, on passe à 3 pays. Donc, le CK, c'est l'événement intercontinental. C'est là-bas qu'il faut être. C'est pour ça que j'ai dit stratosphérique. On quitte.
Là où vous respirez, normalement, on va dans l'air comme SpaceX de Elon Musk. Nous, on se met à ce niveau-là. Donc, vraiment, prenez vos tickets et les tickets, ça ne représente rien. Ce qu'on donne là, pour 3 nuits d'hôtel, tout frais compris, plus une soirée de gala de rêve, vraiment, avec tous les artistes que nous avons. On ne fait pas ça pour gagner de l'argent, on fait ça parce qu'on veut d'abord être en famille. On fait ça parce qu'on veut montrer ce que les écans peuvent réaliser ensemble. On fait ça pour donner l'opportunité aux écans. Donc, vraiment, venez, c'est une belle expérience. Sans compter les conférences. On a notre conférence, on a notre foire exposition, il faut venir. Zani, pendant notre soirée de gala, vous savez que les écans sont en train de projeter. Nous projetons depuis l'année dernière, on a dit, on va implanter le premier centre culturel écan camerounais ici aux États-Unis d'Amérique. Ça, c'est se fera. Okay. Et à ce congrès-là, nous engageons, nous allons kick-off ce projet-là. Donc, venez, chacun vient mettre son petit. Chacun veut mettre son petit centime pour qu'on réalise ce projet qui nous tient tous à cœur. Donc, vraiment, j'ai fait mon déroulé. Je n'ai pas attendu tes questions. J'ai fait mon déroulé et je me kiffe. Mais c'est un amour sénéa. La seule chose qui me reste à te dire, c'est que, pardon, mange les choses, tu peux consulter les Bamba qui viennent nous donner un peu d'énergie les derniers jours qui restent là pour que ça bouge. Va consulter les Bamba, va manger les choses. Ils sont là, ils voient tout ce qui se passe. Okay. Tu ne vois pas Nakiel là, tu vas voir le docteur Fou, ils sont là. Il y a le train est lancé, il n'y a rien à faire. D'accord, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Attends, je veux juste saluer. Je veux juste saluer Docteur Zibi qui est là, la grande sœur Martine Malanga qui est là, Karine Zibi qui est là, rapidement, je ne sais pas qui d'autre est là. Bon, en tout cas, je salue tout le monde qui est connecté. Merci Aurèle, encore Anglaise. Vraiment, je salue tout le monde. Vraiment, ça fait plaisir de vous voir connecté, partagé dans tous vos groupes. Je vais faire monter Papa Noir. Ok, merci beaucoup. Merci. Bonjour, Patriarche. Merci à tout le monde, toutes les associations. Donc, moi, je peux déjà sortir. Je n'ai pas fini avec toi. Tu ne sors pas. Bye bye. Plaisir, vas-y, je prends ton dobo qui est revenu, après je vais prendre Papa Noir. Ok, bon voilà, j'avais une question, je n'arrive pas à prendre ton dobo, ça ne prend pas. Papa Noir, il faut encore envoyer d'autres trucs, Papa Noir, ok. Ton dobo, je n'arrive pas à te prendre, que chaque fois que j'essaie, ça me met à écouter un audio. Ok, voilà, Papa Noir, c'est ça. Attends Papa Noir, j'ai une question, une dernière question que je vais poser à Nan. C'est toi qui es en train de diriger la délégation qui partira de l'Europe et ceux qui partiront du Cameroun, parce que tu as tout un groupe et tout un forum pour ça. Je voulais quand même savoir à quel niveau se trouvent les travaux, à quelle avancée. Je voulais avoir, si tu peux nous dire un mot là-dessus et combien de personnes à peu près tu amènes dans ta délégation. Nous sommes déjà 5 personnes qui avons déjà tout acheté. Confirmé. C'est du Cameroun. Voilà, ils attendent. J'ai envoyé les noms pour qu'on puisse envoyer à l'ambassade du Cameroun pour la demande de visa. Ok, d'accord. Voilà. C'est de l'Europe. Ceux qui n'ont pas tout, parce que tout le monde n'a pas le visa ici. Tout le monde n'est pas européen. Mm-hmm. Donc eux-mêmes, ils ont déjà pris des rendez-vous. Donc ils attendent les réponses de l'ambassade pour aller prendre les visas. Et lorsqu'ils auront les visas, ils vont réserver. D'accord. Et comme les chambres sont en train de diminuer, moi, j'ai un peu peur pour eux, quoi. tu vois, j'ai déjà un peu peur. Tout le monde sera logé. Parce qu'il ne faut pas que quand nous, on va vouloir, qu'on nous dise que oh, les chambres, il n'y a plus. Les chambres ne sont plus disponibles. Vous qui venez d'ailleurs, nous autres, on peut dormir par terre dans la même chambre, il n'y a pas de problème. Mais vous êtes les privilégiés. Quelle que soit l'heure à laquelle vous allez arriver, vous serez traité comme des rois. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Que les gens. Donc, ils sont déjà au courant, c'est pour savoir dans quel aéroport ils vont descendre et que ce soit facile. Parce que, comme tout le monde ne connaît pas tout le monde, donc ce petit groupe-là permet à ce que s'il y a les gens qui ont eu les billets d'avion.
l'agence, les agences qui sont beaucoup plus moins chères. Chacun vient un peu déposer dans le groupe. Moi, je l'ai eu à telle agence, à telle, par Air France, par Delta, c'est beaucoup plus moins cher. Voilà. Donc, toutes ces petites informations, on donne ça dans le groupe pour que le billet d'avion ne nous pèse pas beaucoup. Okay. Ok, d'accord. C'est du bon travail que tu fais comme d'habitude. Tu es une bonne ressource pour Elia. Alors, ce que nous espérons et que je vais demander solennellement ici, c'est qu'il y en a qui veulent peut-être rester un peu plus longtemps. Donc, j'espère qu'il y aura nos frères et quand on va rencontrer là-bas, ils peuvent nous ouvrir leur maison pour voilà, pour nous recevoir pendant le jour. Il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau. On a prévu ça. Il y aura des personnes qui seront disponibles pour accueillir les frères et sœurs qui viendront. Parce que prendre un visa pour 6 mois et faire 3 jours, je sais pas, on ne va pas acheter un billet d'avion pour venir. Surtout les États-Unis. Oui, oui, voilà. Et oui, voilà, c'est pour les accueillir et ils passeront un peu plus de temps. Il n'y a pas d'inquiétude. Oh, merci. Merci beaucoup, cela. Voilà. Merci. Il y a notre soeur connectée, la Nicole Lama, qui dit que ton obomé cher, moi, il transmet seulement. Hein. Et que il faut que tu le vois un peu le pied à la baisse. Hein, il faut que tu le vois quand même. Oui, c'est comme ça qu'ils vont acheter. Quand tu vas chez Dior là-bas, tu lui dis que vraiment ton sac Dior est cher. Il faut quand même. Moi, je ne pense pas qu'il est cher. Je pense qu'il est. Il est... Parce que c'est du travail, c'est fait à la main. Ce n'est pas la machine qui fait, ce n'est pas la machine, c'est le travail de l'homme. C'est-à-dire que pour te sortir une pièce de bombe, ça peut prendre 2 jours. 2 jours, on tape à la main, on prend le temps. C'est pour ça que c'est fin. C'est pour ça que c'est fin, parce qu'on prend beaucoup de temps pour le faire. Beaucoup de temps, on le fait à la main. À la main, il faut voir le travail des gens, des gens qui travaillent. Moi, je suis partie, j'ai appris et puis je transmets, mais c'est fait à la main. Il faut avoir le muscle pour passer. Tu es assis là toute la journée, tu tapes. Si ce n'est pas encore bien tiré, tu recommences. C'est beaucoup de travail, comme vous voyez là. C'est pour ça que c'est cher. Parce que la machine, si on met la machine là-dessus, ça va abîmer. Ça ne sera plus de qualité. Ça ne sera plus la bonne qualité. Okay. Si on veut alors celui qui est moins cher, on prend celui qui est dur là. Et en plus de cela, ce qu'on fait avec les arbres, c'est qu'on ne coupe pas l'arbre. On ne coupe pas cet arbre-là. Parce qu'on pense à l'écologie également. On enlève juste la peau et puis on revêt l'arbre des autres écorces. Au bout de 2 semaines, l'écorce renaît. Tu vois, non? C'est tout un travail. Et on doit apprécier le travail qui est fait. Moi, pour vous dire la vérité, ça fait 2 ans que je suis déjà dans le groupe. Je gagne pas d'argent là-dedans. Ce qui est le plus important pour moi, c'est que on revalorise ça. Et par rapport à la qualité à la qualité, à la puissance, à la force du tissu, c'est moins cher devant les tissus comme le Ndop, comme les autres tissus. Je veux pas faire une comparaison. Nous, on est moins cher. On est vraiment moins cher. Si on peut vendre ça chez les Européens, ça coûte. Si vous allez dans un magasin européen ici, par exemple, tu vas trouver le mètre à 3 000 euros pour vous dire. Parce qu'eux, ils connaissent la valeur, parce que ça a une valeur spirituelle déjà. Ça a une valeur spirituelle. Donc, ce n'est pas ça qu'on vend. Moi, je ne vends pas ça. Je ne vends pas cette valeur-là. Je vends, ne serait-ce qu'il faut que les gens qui travaillent là-dessus aient quelque chose. D'accord. OK. D'accord. Voilà. Je pense qu'elle a suivi. C'est vrai qu'il faut reconnaître quand même que ton obom est un peu plus esthétique. Oui. Parce qu'il n'est pas en plus de cela, les enfants qui font la couture, les gars qui font cette couture-là, ils prennent beaucoup de temps. Ce sont des modélistes. Le petit m'a dit, Namodoua, je ne suis pas un tailleur. Je suis un modéliste. Je pense, je réfléchis. Là, par exemple, on va imprimer les bichakalak. J'ai trouvé les images que les Allemands avaient dessinées quand ils entraient chez nous, par exemple. Ils vont reproduire ça dans nos modèles. Tu vois, on reproduit. Il y a tout un art qui est fait à l'intérieur. Okay.
Et puis quand tu, toi-même, tu prends ton obom, ce n'est pas les trucs des Chinois, c'est pas que les Chinois, enfin, c'est pas, non, ça peut pas être 5 000 francs, ça peut pas être 10 000, ce n'est pas, c'est ouais. pas à cette hauteur-là. Oui, c'est comme si tu allais acheter. C'est comme si tu allais acheter la soie. Quand je prends, par exemple, je prends la soie ici, 3 mètres, j'ai la soie à 150 euros, la soie. Oui. Alors, est-ce que moi, je parle à dire que c'est cher? On va te dire que oui, mais c'est parce que c'est la soie de ceci. Ils vont te vanter le truc, Donc, c'est un peu ça. OK. Bon, je pense qu'elle a suivi tout ce qui avait des préoccupations à ce niveau. Vous l'avez suivi, on a dit que le travail qui est fait dessus, c'est un travail qui demande énormément d'énergie et du temps. Donc, il ne saurait le vendre moins que ce qu'il fait parce que ça permet d'aider aussi les gars qui, les gars musclés qui tapent le bon là. C'est un travail pénible. Donc, mettons l'argent de côté. Bon, je ne l'ai pas encore pour moi. Et moi qui parle là, c'est ma soeur, mais pas encore pour moi. Donc, on va épargner un peu, juste à ce qu'on arrive. Ok, merci beaucoup, Na. Tu vas peut-être descendre. Je vais laisser avec Papa Noah et je vais prendre quelqu'un d'autre. Ok, Papa Noah, mon micro. Ah, bon, ben. L'argentier de Kambé, c'est Yamerka. Moi, je suis un homme qui a été. Un homme qui a été. Papa Noah. Voilà, ma première question justement va concerner le travail de ta commission. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que nous en sommes avec la réservation des chambres? Pour commencer, bon, ma souris Candice, et je dis bonjour à tous les écans et bienvenue pour les préparatifs du CECA. Bon, en ce qui concerne la réservation des chambres, nous sommes partis au départ sur un arrangement avec l'hôtel pour 100 chambres. Et il y a cette latitude que si nous réservons 80 chambres avant avant le 4 novembre, nous avons la possibilité d'étendre le nombre de chambres à 150 chambres. Et dans ces chambres, il y a trois catégories. Il y a une catégorie debout où deux personnes prennent la même chambre puisqu'il y a deux lits. Il y a des chambres individuelles pour ceux qui n'aiment pas le frottement. Ils payent 650. Et il y a des chambres, n'est-ce pas, Edine, où, n'est-ce pas, le couple prend la chambre pour les trois jours à 850 $. Et quand on dit 850 $, c'est tout un package, n'est-ce pas, qui englobe déjà depuis votre accueil à l'aéroport jusqu'à ce que l'on vous ramène encore à l'aéroport le dimanche, si vous voulez rentrer ce dimanche-là. Donc, en ce qui concerne dans les réservations, nous suggérons, nous prions nos frères, puisque nous avons des engagements avec l'hôtel, nous prions tout le monde de faire sa réservation le plus tôt possible parce que au cas où nous réservons 80 chambres avant le 4 novembre, l'hôtel pourrait nous donner la salle gratuitement. C'est-à-dire la soirée de gala et les conférences, toutes les salles nous seront données gratuitement. Okay. Mais si nous ne réservons pas 80 chambres, en ce moment-là, l'hôtel va nous charger des chambres. Les salles. Donc, les chambres sont encore disponibles, mais nous prions les uns et les autres de réserver à temps. Comme disait Nabendoa tout à l'heure, pas d'inquiétude, sa délégation a déjà réservé ses chambres. Okay. Et puis le protocole ne sera pas, je voudrais dire que le protocole sera assez sérieux parce qu'on ne s'amuse pas. Je ne dors pas, tous les jours je réconcilie le compte bancaire pour voir effectivement si nous aurons la possibilité de payer nos engagements avec l'hôtel et voir
n'est-ce pas, tout ce qui va avec, comme la restauration, puisque nous devons payer également, nous devons payer, nous avons réservé des cars qui vont nous transporter, nous n'avons pas encore payé. Alors, lorsqu'on dit « package », ça veut donc dire que si nous restons peut-être avec un peu d'argent, c'est ça qui nous permet de payer, donc, n'est-ce pas, la location des cars, c'est ça qui nous permet, qui va nous permettre, n'est-ce pas, d'avoir, peut-être, pourquoi pas, à la fin du CECA, un petit cadeau. Ça, c'est une petite surprise que nous réservons, n'est-ce pas, à ceux-là qui auront réservé les chambres d'hôtel. Donc, le plus tôt serait le mieux, le plus tôt serait le mieux. Et je vais déjà vous signaler que nous allons fonctionner à huis clos, parce que moi, je ne vais pas rater l'événement pour aller regarder le compte bancaire si quelqu'un vient payer à la dernière minute. Moi, je devrais être là, et d'autant plus que je suis un des doyens, je suis le patriarche. C'est moi qui accueille les patriarches qui vont arriver. Donc, je ne pourrais pas et sacrifier mon temps au lieu de suivre les événements qui vont se dérouler pendant les trois jours, à aller réconcilier, aller voir si quelqu'un vient payer à la dernière minute. Donc, le plus tôt serait le mieux. Dès que vous arrivez, il y aura déjà une liste qui va vous attendre à la tente, à l'accueil, et on va vous diriger dans votre chambre. Nous nous organisons. Et déjà, pour comme sacrifice, moi, j'arrive déjà à Washington un jour avant. Ce qui fait que je serai à l'hôtel dès le matin, déjà très tôt, lorsque... En train de nous attendre. Oui, pour attendre, n'est-ce pas, les éventuelles personnes qui vont arriver très tôt. Donc, c'est ce que le protocole va d'ailleurs faire également. Nous devons être là. C'est le sacrifice que nous faisons. Le CECA, comme disait le président Makinda tout à l'heure, c'est lui qui est écran, qui vit aux États-Unis, qui vit au Canada, au Mexique, et qui n'a peut-être pas de visa à demander. S'il ne vient pas au CECA, il ne verra plus jamais rien de beau dans sa vie. Il ne verra plus rien de beau dans sa vie. C'est ça. C'est-à-dire que nous mettons, n'est-ce pas, les bouchées doubles pour que le CECA soit une réussite. J'ai entendu, n'est-ce pas, tout à l'heure, des questions qui ont été posées au protocole. Moi, je voudrais dire, et je l'ai dit également, que nous tous, nous allons rentrer dans le protocole pour que tout puisse réussir. Alors, moi, c'est une habitude pour moi, lorsque je reçois des invités, je ne vais pas m'asseoir. Je dois me rassurer que mes invités sont déjà bien assis. Ce qui fait donc que nous allons régulièrement faire le tour, n'est-ce pas, des salles pour voir si tout se passe bien. Donc, il n'est pas question que nous sommes les hôtes et puis que nous allions également dormir sans vérifier si ceux-là qui ont été invités sont à l'aise. Donc, nous allons nous joindre au protocole. Et je prie tous les jeunes qui sont là à nous rejoindre au protocole pour regarder s'il y a quelque chose, la moindre le moindre bout de papier qui tombe devrait être enlevé. Donc, nous devons laisser l'hôtel propre pour que la prochaine fois, quand nous allons venir dans cet hôtel, qu'on sache que des hommes nobles sont passés par ici. Donc, c'est de ça qu'il est question. Nous ne faisons pas dans la dentelle. Nous voulons que tout se passe dans de très bonnes conditions. Si vous êtes, si vous avez des questions, je suis encore à votre disposition. Ok, Papa Noah, bien sûr que j'ai encore des questions. Tu ne vas pas partir comme ça. Est-ce que je dois te mettre dans la liste du concours de danse? Parce que je note les gens dans ma liste du concours de danse. En tout cas, si vous avez suivi Céblaise, si vous avez suivi Céblaise et Marie-Claude, elle s'appelle Kimi Vomifoda ce matin, dans l'annonce, on disait que Mesama Karkimani Ligimanti. Mesama Karkimani Ligimanti. Voilà. Ma liste de danseurs ne fait que ça se prolonger. C'est ça. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que. D'ailleurs, vous connaissez mon motto. J'ai souvent dit que.
Ngulebanga au Kalebongo. Voilà. Ce qui fait que j'aimerais, n'est-ce pas, si nous allons même en concours par rapport au classé d'âge, je défie tout le monde. Tout le monde. Hey, en tout cas, moi, ma quête, tout le monde. Moi, ma quête donc, sera ouverte pour les gens qui vont perdre. Même les deux docteurs qui ont, si sont passés là, un a dit qu'il était à le sucre et tout ça. Il ne sait pas que c'est nous voilà. qui avons créé le sucre. Et que moi. Martin Bala parle d'or de la danse. Martin Bala sera là pour toi. Oh, ouais. Martin Bala de la Californie. Tout le monde connaît Martine, parce qu'elle a la palme d'or comme Anglade est en train de dire là-dedans. Oui, c'est ma soeur, oui, bien sûr. Ce n'est qu'elle qui sait comment je, qui connaît mes soeurs, n'est-ce pas, mes pas de danse. Voilà. Martine connaît mes pas de danse. Donc, elle est la bienvenue si elle est là. Ah oui. Donc, voilà. On se connaît très bien, Martine et moi. Donc, je vous assure que... dans un concours de danse des femmes, il faut bien porter vos culottes parce que Martine, ce n'est pas... Non, on connaît Martine. On la connaît. Elle trouvera du répondant, je suis sûre. Elle va trouver. D'accord. Ok, merci beaucoup d'avoir moi. Merci beaucoup. Je vais prendre quelqu'un d'autre dans le call, donc merci pour ton intervention. Entre-temps, je vais parler avec notre secrétaire général, l'homme Dieu, le FGPR. merci beaucoup. Réservez vos chambres. D'accord, Papa Noah, merci. Allez, réservez vos chambres. Merci. Pas le zèle et tout ce que vous pouvez avoir, n'est-ce pas, pour réserver. Nous attendons. D'accord. N'attendez pas la dernière minute pour réserver. Il faut le faire le plus vite possible. Merci. Merci, Papa Noah, merci. Je vais te prendre, Anglade. Ok, Papa Noah, tu descends et puis je vais prendre Anglade. Alors, le SGPR de Cambeseya Merka. Bonsoir. Oui, bonsoir, tu m'entends? Oui, je t'entends très bien avec Kaj. Je t'entends très bien. Papa Noah, descends alors, Papa Noah. Attends, Ok. Alors, comment tu vas, notre SGPR? Oh, je vais très bien. Dieu fait grâce, comme toujours. Mm-hmm. Je vais très bien. Je ne sais pas comment je vais t'appeler. Je t'appelle déjà mon intelligence. Et ça, c'est très personnel. ne me posez pas les questions. Ne me posez surtout pas les questions. Donc, voilà. Ben, écoute, le travail est remarquablement bien fait et je ne peux que te dire merci pour cette disposition, cette volonté et cette détermination et même ce dévouement pour la cause de notre communauté. Je pense que c'est des personnes comme toi qu'il nous faut, c'est des personnes comme le président Mekinda qu'il nous faut, comme Dr Aïssi, Dr Foué, le président... Alfred Nomo, nous avons besoin, n'est-ce pas, de tout le monde. Nous avons besoin de tout le monde pour créer une communauté forte, prospère et unie. Unie surtout. Parce que c'est dans l'union que nous pouvons être forts, c'est dans l'union que nous allons pouvoir avancer, c'est dans l'union que nous allons pouvoir réaliser. Donc, vraiment, merci pour le travail que tu fais. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Quant à Ebia, Ebia est en train de se structurer et nous sommes à pied d'œuvre pour véritablement asseoir cette fédération. Et cette fédération va regrouper, n'est-ce pas, toutes les associations et camps des États-Unis, d'Europe, du Canada, du Mexique, du Gabon, de la Guinée équatoriale. Bref, tous ces pays où se trouvent, n'est-ce pas, les peuples de la forêt. Parce que nous avons compris que nous avons l'obligation et le devoir de revenir aux sources. D'accord. Nous avons perdu beaucoup de nos valeurs culturelles, de nos valeurs ancestrales et même de nos langues. J'ai encore
encore le privilège aujourd'hui de pouvoir parler. Moi, je suis un Yezoum, donc je parle correctement Yezoum. Et je comprends très bien quand le Boulou parle, le Tone parle, le Mangisa parle, je comprends toutes ces langues-là. Les Oulou parlent, le Mvele parle, je comprends tout ça. Exactement. Donc, et je pense que c'est une richesse qui n'est pas vraiment, qu'on ne peut pas mettre en prix. Parce que nous sommes aux États-Unis, parfois quand vous vous retrouvez dans certains milieux et on vous entend parler français, ils sont subjugués, ils sont tout émerveillés que vous parlez français. Et quand je leur dis non, je ne parle pas que français, j'ai d'autres langues, mes langues maternelles que je parle aussi, ils n'en reviennent pas qu'une seule personne puisse parler autant de langues à la fois. Donc je dis, c'est des valeurs que nous devons absolument tout faire pour pouvoir transmettre à nos enfants. Et au sein de cette fédération, nous allons réfléchir à comment faire pour pérenniser, n'est-ce pas, ces langues, pour apprendre ces langues, n'est-ce pas, à nos enfants, mais surtout pour permettre à ce que, comme le docteur ici l'a dit, que nous puissions nous développer. C'est ça le plus important. Parce que tant que nous évoluons en rang dispersé, chacun peut être fort à son niveau. Mais je pense qu'ensemble, on est plus puissants. Donc, c'est ce que je peux dire pour l'instant. Vraiment, merci et bravo pour le travail que tu fais. Merci beaucoup, Avika. Merci beaucoup. Une dernière question avant que tu ne partes. Voilà, quelles sont les autres instructions que tu peux donner aux personnes qui traînent encore le pas? Bon, ce que je pourrais leur dire, comme le docteur Fouella signifiait plus tôt, écoutez, ne restez pas en marge de l'histoire, hein. Nous ne sommes pas parfaits, mais avec un peu de volonté, je dis bien avec un tout petit peu de volonté, et comme les Ekans sont un peuple noble, c'est des seigneurs, vraiment, on est tous des seigneurs, hein? Je n'en disconviens pas à l'instant, mais tout le monde ne peut pas être président en même temps. Donc, pour ceux qui sont encore en marge, n'est-ce pas, de l'histoire, je vous dis que vous avez tort de rester en marge de l'histoire. Rejoignez le mouvement, mettons-nous derrière le mouvement. Nous avons les aînés qui nous guident, comme le docteur Fouleurta ici, Papa Noir. Je pense quand même que c'est des personnes, n'est-ce pas, qui ont des têtes bien faites et des têtes pleines, qui peuvent nous conduire et les gens nous regardent. Rappelez-vous de ça, les gens nous regardent. Donc, ne restez plus en arrière, rejoignez le mouvement. Si vous avez un problème, venez, posez votre problème. Ensemble, nous allons trouver des solutions, je vous le promets. Vous pouvez compter sur moi. Ça, je vous le promets. Beaucoup. Nous allons trouver des solutions. Merci beaucoup à notre SGPR. Merci pour tous tes conseils. Merci pour ton dévouement à toi aussi, parce que tu sais, ta voix porte beaucoup et on te connaît avec ton verbe tout droit. Tu dis la vérité en face, tu es serein. Donc, grand merci de guider hein, et de donner de l'espoir à cette communauté qui est en train de renaître avec les hautes instructions, les vraies hautes instructions. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. OK. Bon, va, tu vas descendre et puis je vais reprendre le docteur ici, les deux docteurs qui étaient à l'honneur aujourd'hui pour qu'on puisse aller vers la fin. Tara de Mobomo, il est où? Voilà. OK. L'autre Tara de Mobomo est là. OK, bon, docteur Fouet, tu es revenu et on va vraiment vers la fin. Avant de terminer ce live, je pense qu'on a donné toutes les informations nécessaires, tout ce dont les gens avaient besoin de savoir concernant le CK et puis Ekambe Seyamerka. Donc, quel est ton dernier mot? Quel est le conseil que tu donnes à ceux qui traînent encore le pas? Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui sont là, qui nous écoutent? Quel est ton dernier mot avant la fin, avant de fermer ce live? Oui, merci Queen pour cette excellente question. Ce que je peux dire, c'est que ces deux dernières années, nous avons mis sur pied un programme qui est très ambitieux, celui de fédérer au sein de l'association EBR les différentes organisations et camps qui existent en Amérique. Et on l'a fait par souci de rapprochement socioculturel, on le fait justement parce que nous savons qu'ensemble, nous sommes plus forts. Et
c'est une opportunité de retrouvailles où nous nous retrouvons à travers les communautés qui viennent partager leurs différentes expériences, les expériences socioculturelles, linguistiques, n'est-ce pas, qui nous lient. Nous comprenons que tout le monde, nous sommes certainement en fin d'année, il y a des gens qui ont des obligations qui les empêchent d'être là, mais nous voulons leur dire que en dehors, n'est-ce pas, du à 2024, nous allons continuer sur cette mouvance. Et pour ceux qui ont vraiment à cœur ce congrès, il est très, très important de se préparer et de nous joindre. Parce que, comme on dit, aux États-Unis, nous, on ne fait pas les choses à la dernière minute. Parce que ceux qui, certainement, vont essayer de faire les choses à la dernière minute, les billets d'avion seront chers, il y aura certainement la bousculade. Donc, c'est mieux de se préparer. Pour ceux qui hésitent encore, nous comprenons que certains d'entre nous ont des challenges différents. Mais je pense qu'il est mieux de s'engager et puis attendre sagement le jour de l'événement pour nous joindre. Nous avons pris un certain nombre d'engagements, comme le président Mekinda l'a dit, et puis notre expert financier avec nos partenaires Hilton pour mettre à disposition un certain nombre de chambres avec tout ce que ça comporte comme rabais. Et je pense qu'il faut tenir compte de ça et il faudrait prendre cela en compte lorsque les gens vont décider de voyager. Nous prions tout le monde de nous joindre, ce serait un très grand événement. Nous regardons déjà le parterre des artistes qui sont avec nous, les thèmes qui seront débattus pendant nos soirées Milan Mingore. Et puis la question est de se poser quelle sera la contribution du peuple Ekan en général et celui du Cameroun en particulier dans ce processus de développement qui doit nous conduire à l'émergence vers 2035. Chacun d'entre nous doit se poser la question, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire pour contribuer? Et pour contribuer, il faut participer. Hein. La politique, la chaise vide n'a jamais payé. Donc, si quelqu'un peut être là, c'est pas nécessairement là, les réseaux sociaux que le débat doit avoir lieu. C'est bien qu'il ait lieu en face en face. Et si ceux qui peuvent vraiment faire le déplacement sont encouragés d'être avec nous, et je pense que nous allons leur promettre que le programme que nous allons dérouler sera à la hauteur des attentes de tout le monde. Une fois de plus, j'encourage ceux qui peuvent vraiment faire le déplacement de prendre les dispositions maintenant. Maintenant, parce qu'avec le temps qui court, ça serait beaucoup plus compliqué et ces cas 2024, ce n'est qu'une seule fois. Il y aura peut-être d'autres opportunités, mais pour le moment, nous sommes à ces cas 2024 et le programme que nous sommes en train de dérouler sera un programme vraiment très intéressant. L'année passée, beaucoup de gens nous ont dit « Oh, vous ne nous avez pas informés à temps. Si on avait su, on serait venu. » Donc, nous prenons déjà nos dispositions pour encourager les gens de venir. Et ceux qui peuvent vraiment se déplacer, s'il vous plaît, venez nous joindre. Nous avons un site internet où nous recevons aussi des commentaires. Ces gens qui ont des avis à partager avec nous peuvent le faire dans nos sites internet, les différentes plateformes que nous utilisons. Et on va tenir compte de tous ces commentaires, de ces suggestions pour embellir la fête. Merci, Queen. Merci, docteur. Merci, grand merci pour ton temps que tu nous as accordé ce soir malgré tes multiples occupations. Je souhaite qu'on continue sur cette lancée jusqu'au 5 décembre, que tu ne vas pas nous lâcher entre temps. Donc, je compte avec toi. Ok, bon, docteur Aïssi, mon fils, ceux qui ne savent pas, docteur Aïssi, c'est mon fils et mon filleul. En même temps, hein, je suis mère comblée. Il porte une double casquette. Mon fils, dis-nous ton dernier mot. Quel est le conseil que tu peux donner à tous ceux qui sont impliqués, d'abord pour les préparatifs du CECA et les autres qui sont à côté? Qu'est-ce que tu peux leur dire ce soir? Bon, je crois beaucoup a déjà été dit. Le président Junior Mekinda a fait un bon déroulé. Moi-même, j'ai senti pour que ces questions me soient posées. Je l'ai
je l'ai mentionné, docteur Guy Foué, ton patriarche noir, l'ont aussi mentionné. Je n'aime pas trop la répétition, quoi qu'elle soit, la même différence. Bon, mais tout ce que je vais dire ici, c'est inviter les uns, les autres, parce que le CECA va se créer une seule fois. Le CECA 2024, c'est une fois, c'est unique. Si vous le manquez, vous allez attendre 2025 ou 2026 et Dieu seul sait si il sera possible. On a vu comment le COVID, la pandémie de COVID nous a maintenu otage. Donc, quand l'opportunité se présente, il faut vraiment célébrer. Donc, c'est qu'à 2024, j'attends personnellement de faire des rencontres, avoir un bon carnet d'adresses, savoir que Namendoa, quand je fais un tour en France, je vais faire un tour, je vais la rencontrer et elle va m'introduire dans son association. Si je fais un tour en tel ou tel état, je vais rencontrer tel ou tel frère. C'est comme ça que la communauté se construit. Il n'est pas avec nous là, mais le pasteur Mbo disait que c'est à travers les événements communautaires qu'on construit une communauté. C'est-à-dire, on ne va pas construire notre communauté sans toutefois organiser un événement qui nous réunit. Through community event that we create a community. So, ça m'a beaucoup marqué et je vois donc à partir du CK 2023, on a créé un draft de notre communauté. On a lancé les bases de notre communauté. Et bien, vous voyez, c'était à travers un événement communautaire. Et en 2024, on a un autre événement communautaire qui va plutôt solidifier les bases de EBIA, c'est-à-dire la fondation était déjà là, on ne va que lever les murs et tous les jours qu'on va, toutes les années qu'on va organiser un événement, un CK, c'est comme ça que notre communauté va être aussi forte. Je saisis vraiment cette opportunité parce que nous sommes là, dispersés, c'est chacun dans son petit orgueil qui veut faire des choses seul. Pourtant, si on se met ensemble, que ce soit sur le plan académique, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit même sur le plan culturel, on devient une force. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici présent, mais vous savez très bien que notre communauté est à la traîne. Donc, à travers ce cas, à travers EBIA, c'est un réveil communautaire. C'est-à-dire que qu'est-ce que nous faisons, pourquoi nous dormons, pourquoi nous ne sommes pas ensemble, pourquoi on ne marche pas comme les autres. Même dans le règne animal, là, les animaux, ceux qui sont plus forts, là, c'est ceux qui vivent ensemble. Hein? Il faut voir ce que les fourmis font ensemble, hein? Les abeilles font ensemble. Les buffles, tous ceux qui sont, tous les animaux qui vivent ensemble sont forts. Seuls ceux qui veulent vivre dispersés ne s'en sortent pas. Et même maintenant, chez les humains,
Moi, je suis dans des communautés avec des Indiens, des Philippinos et des Chinois. Il faut voir comment ce que ces gens-là font, des Pakistanais, parce qu'ils sont, ensemble, que ce soit sur le plan professionnel. Quand une position s'ouvre, c'est toujours un de leurs qui le ramène. C'est comme ça. Donc, mettons-nous ensemble. J'attends tout le monde. Il faut que notre communauté se réveille. On pense que certaines choses nous sont granted, mais c'est pas vrai. Il faut qu'on se mette ensemble, il faut qu'on travaille. C'est mon mot de fin. Ok, merci beaucoup, docteur. Non, merci pour toutes ces informations, pour tous ces conseils. Ce n'est pas tombé dans les oreilles des sourds, on espère. Donc, on va dire merci à tous ceux qui se sont connectés ce soir. On n'a pas pu reprendre Todogo parce que chaque fois que j'essaie de l'ajouter, j'ai un message qui dit que je ne peux pas l'ajouter. Même quand je suis seule, bon, je ne sais pas pourquoi. Bon, mais qu'à cela ne tienne, on a fait notre live. On a donné les informations qu'il fallait et nous sommes contents pour ça. Maintenant, on attend que les gens se bousculent sur les sites de Papa Noir là-bas pour pouvoir réserver leur chambre. Et on dit toujours à ceux qui ne peuvent pas venir qu'ils peuvent faire un don dans notre site web. Il y a une rubrique là où on peut faire un don. Et pour soutenir l'événement, ça fait toujours partie de comment je dis, de ceux qui mettent la main dans la pâte. Donc, merci et bonne soirée à tout le monde. Je suis la Queen des Arts. Au revoir.